الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة التاسعة من شهر الثامنة من شهر صفر لعام 42 و400 للهجرة الموافقة السادسة والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2020. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا فيها إلى قوله تبارك وتعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Mes chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir. Nous sommes dans la 8e nuit du mois de Safar 1442, c'est-à-dire le 26 septembre 2020. Comme chaque samedi soir, grâce à Allah Azza wa Jal, nous lisons le Coran et nous tentons d'apporter des éléments nous permettant de comprendre mieux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes toujours dans la surat Yusuf et nous sommes arrivés au 11e verset, dans lequel nous avons deux versets consécutifs qui sont la demande des frères de Yusuf alayhi salam à leur père, dans laquelle ils essayent de le convaincre d'envoyer Yusuf avec eux. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Ils diront: oh ben, oh notre père, qu'as-tu de ne pas nous confier Yusuf, nous faire confiance en nous confiant Yusuf, alors que nous allons être pour lui de bons conseils. وديناصحون كلمة جامعة لإرادة الخير للغير. On a dit que النصح والنصيحة est un terme général qui consistait à vouloir le bien pour autrui. Puis, donc premièrement, on avait dit qu'il y avait eu une insistance de leur part. Ce n'était pas la première fois qu'ils demandaient à Yaqub d'envoyer Yusuf avec eux. C'est pour ça qu'ils ont dit: Malaka la ta'manna. Pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Alors que nahnu lahu nasihun. Wa ma nuridu lahu illa al-khayr. Nous ne voulons pour lui que le bien. Donc pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Wal ghalib 'inda an-nas an ya'manu man yuridu al-khayr lahum. Parce qu'à la base, généralement, on fait confiance aux gens qui nous veulent du bien. Donc si quelqu'un nous veut du bien, pourquoi ne pas lui faire confiance? Puis après, ils disent: arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Donc jusqu'à présent, c'est arrêté à ghadan. Envoie-le avec nous ghadan. Donc qulna ghadan huwa al-yawm alladhi yali al-yawm alladhi anta fihi wa huwa ma'khudh min al-ghadwa wal-ghudu wa huwa awwal as-sabah. وأطلق على اليوم كله. وكدما غدا يرتع. يرتع هذه الكلمة فيها أربع قراءات: حرفان متباينان في أولها، وحرفان متغايران في آخرها، فتقرأ: أرسله معنا غدا يرتع بالياء وبالسكون، ونرتع بالنون وبالسكون، ويرتعي بالياء والكسر، لكن عند الوقوف عليها لا يلفظ بها، لا ينطق بها، ونرتعي بالنون وبالكسر. وبالكسر لماذا؟ لأن الفعل هو جواب الجزم أو فعل جواب الشرط عفوا، وهو مجزوم، وأصله ارتعى. ارتعى فهو معل الآخر، والفعل المعتل الآخر يحذف منه حرف العلة، والكسرة الباقية دليل على الحرف المحذوف. فعندنا فعلان: الفعل نرتع ارتعى ارتعى وارتعى وارتعى. وعندنا ضميران: الغائب ونون المتكلمين. Donc déjà, premièrement, narta. Voilà, nous allons parler des différentes lectures pour ce mot-là et des différences qui les composent. Puis après, on rentrera dans le sens de ces différents mots. Donc, envoie-le avec nous demain,
yarta. Donc soit on a yarta avec le ya au début qui indique le pronom de l'absent, il. Donc ça reviendra à Yusuf alayhi salam. Et le verbe finira par un sukun. Et on aura yarta'i. Donc le même début mais la fin sera différente avec une kasra à la fin. Donc celui qui a un petit peu de base en grammaire, il sait que le verbe ne finit pas par une kasra. D'accord ? Al-khafd ikhtassa bihi al-asma dun al-af'al. Le verbe ne finit pas par une kasra. Donc si tu vois une kasra à la fin d'un verbe, c'est qu'il y a quelque chose soit qui a été supprimé, soit qui a été rajouté. Puis on a arsilhu ma'ahu ghadan narta'. Donc ici c'est plus ya, c'est na. Et ça indique un changement de sujet, ça veut dire nous. Donc soit on a narta' avec un sukun à la fin, ce sera le verbe irta'a. Ou ça ce sera narta'i avec une kasra à la fin, ce sera le verbe irta'a. C'est deux verbes différents, même si la base des deux verbes est la même. C'est ra'a, yara'a. La base des deux verbes est la même. Donc on a deux verbes et irta'a. أو ارتاع ارتاع نعم سي المبالغة في الرعي. لك الرعي هو أخذ الغنم إلى البادية ليرتاع ليقتات صح التعبير. لك سأمني لبيت بيتر لزمني على كمبان pour qu'ils puissent manger. طبعا لا يريدون بذلك هذا المعنى لأنفسهم لأنهم ليسوا بهائم. Bien entendu, quand ils emploient ce verbe-là, ce n'est pas pour eux, dans le sens de base. Il y a un emprunt du sens. Ce qui est dit, ce qui est voulu ici, dans l'emprunt de ce verbe-là, alors qu'à la base, on l'utilise pour les animaux qui vont paître, c'est un élargissement dans le fait de manger. En gros, on va faire un pique-nique, on va bien manger. Narta. Hada l'awwal. Et le deuxième, irta'a avec le alif. Al-maqsour, c'est une moubala, une exagération dans ra'i. Dans le fait d'aller faire paître les bêtes. Et là, kadalika, c'est la même chose, une exagération dans le fait de manger. Donc, la première des choses pour laquelle, avec laquelle ils ont essayé de convaincre leur père d'envoyer Yusuf avec eux, c'est que ce sera pour sa maslaha, pour son intérêt principal, ce sera de bien manger. Athani ra'yul ghanam. Fi'lan ala haqiqatihi, on va emmener les animaux paître. Fabidhalika yajtami'u fi akhdihim akhahum as-saghir fa'idatan. Al-fa'idatu al-ula yata'allamu ma'a ikhwanihi kayfa yar'a al-ghanam. Donc, le deuxième sens, c'est vraiment aller faire paître les animaux, donc les emmener loin, dans le pâturage, pour qu'ils puissent s'alimenter. Et donc, un des intérêts qu'ils vont utiliser pour convaincre le père d'emmener Youssouf avec eux, c'est qu'il va apprendre à s'occuper des animaux. Donc, il y a un intérêt pour l'enfant qui lui sera profitable plus tard, c'est d'apprendre à s'occuper des animaux. Et le deuxième, on va le voir après. إذن قال ذكر القرطبي معنى ثالثا وهو من الرعاية من الرعاية وهو أنهم سيلقون بالا لأخيهم ويحيطون به ويكونون حوله وما أشبه ذلك الرعاية كقولك يرعاك الله. Et un troisième sens qui a été donné par certains mufassirun, c'est de l'attention. L'attention. Al-ri'aya. Comme quand on dit, quand on fait dua pour quelqu'un, on dit, مثلا, حفظك الله ورعاك. Al-ri'aya, le fait de porter attention à quelqu'un. En gros, nous allons être attentifs, nous allons faire attention à lui, et nous allons être attention. Comment on dit attention? Attentionné, merci, à son égard. Et tous ces sens-là se complètent et ne se contredisent pas. Wal qa'ida anna
الآية أو الكلمة إذا كان لها أكثر من معنى لا تناقض بين تلك المعاني فحملت الكلمة أو الآية على تلك المعاني كلها. تفضل. Et la règle, comme on l'a vu dans le tafsir, c'est que lorsque le mot ou le verset a plusieurs sens possibles, entre lesquels il n'y a pas de contradiction apparente, alors on donnera au mot ou au verset tous ces sens-là. طيب. يرتع ويلعب. نقول في يلعب قلناه في يرتع. من اختلاف القراءات بين الضمائر. ضمير الغائب وضمير نون المتكلمين. On va dire dans يلعب la même chose qu'on a dit pour يرتع. C'est-à-dire la différence de lecture au niveau du pronom qui débute le verbe. C'est-à-dire يلعب, il va jouer. Ou nal'ab, nous allons jouer. Les deux lectures existent. Donc la lecture qui a dit yarta', elle dira yal'ab. Et la lecture qui a dit narta', elle dira nal'ab. Après, je ne rentre pas dans le tafsir qui a dit quoi. Ala kulli hal, toutes ces lectures-là existent. Arsilhu ma'ana gadan narta' wa nal'ab. Arsilhu ma'ana gaday yarta' wa yal'ab. Yal'ab. Li sigari sinnihi. من الصعب أن يركز الصغير على عمل يقوم به غالبا الكبار وإن كان يريد أن يضاهئ عمل الكبار فسرعان ما يمل عن ذلك ويرجع إلى فطرته وهو الميلان إلى اللعب. Donc l'enfant, vous avez remarqué, l'enfant très souvent il limite les grands, il veut faire comme eux. Et il prend ça comme un amusement. Mais au bout d'un moment, il finit par se lasser et il revient à son instinct de base initial qui est de jouer, de s'amuser. يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَطَبْعًا اللَّعِبْ مُبَاحٌ إِذَا لَمْ يُتَّخَذْ دَأْبًا وَعَادَةً كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ. اللَّعِبْ, ce verset donc il indique que le fait de jouer est à la base toléré, طبعًا pour sirar sin, pour les enfants, les petits, est toléré lorsque on n'en fait pas une habitude, lorsqu'on n'en fait pas une manie. الألفاظ المستعملة من قبل أهل العلم السابقين هو الدأب والعادة. ولو أضفنا إليهما الإدمان في زماننا هذا لم يكن ذلك بعيدا. Eux ils employent comme terme الدأب, يعني en faire une habitude, une manie, une hada. Si nous on rajoutait aujourd'hui la dépendance, on n'aurait pas été bien loin de la réalité. Parce qu'aujourd'hui effectivement le jeu est devenu une dépendance. La سيما وأهل العلم عندما يذكرون قضية اللعب يقرنونها بما يكون في نفع الصغير بما يعينه على أن يترعرع ويكبر وينشأ نشأة صالحة طيبة فيعود أو فتعود منفعة اللعب عليه بالخير. D'ailleurs quand les savants ils parlent du la'ib, du jeu, du fait de s'amuser, ils disent que ce sont des jeux et des amusements qui vont être profitables à l'enfant. En grandissant, l'intérêt de ces jeux va revenir pour lui d'une façon positive. فلذلك يقولون أن اللعب المراد هو الرياضة البدنية. C'est pour ça qu'ils disent que le jeu, quand ils parlent de jouer ici, ils parlent de tout ce qui est exercice corporel, qu'on appellerait nous aujourd'hui du sport. ماذا كانوا يصنعون فينا داريكم. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait quand il jouait? كانوا يسعون ويتسابقون. D'ailleurs, on le verra après, quand ils reviendront plus tard. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا إيش نستبق. On est parti en faisant la course. Donc, اللعب كذلك, les enfants, généralement, quand tu les envoies, tu vas avec eux dans un endroit où il y a de la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Ils courent, ils sautent, ils se roulent par terre. C'est ça le jeu, entre guillemets, normal. C'est ça le jeu qui est normal.
اللعب إذا لم يكن فيه مصلحة تعود على نفس الصغير بالخير، وإذا اتخذ عادة ودأبا وإدمانا فلا شك في تحريمه. Quant au jeu ou au fait de s'amuser, اللهو يعني اللهو en français c'est la distraction, se distraire. Les enfants, ils n'ont pas de tarkiz. C'est dur pour un enfant de rester attentif. Vous remarquez très souvent quand il y a des enfants qui viennent ici, bah, même s'ils arrivent à être attentifs un moment, soit ils s'endorment. Non, je ne te vise pas, mon cher Adam. Ou bien soit ils se lèvent et puis ils partent. C'est normal. Hein. On ne peut pas leur en vouloir. C'est, l'enfant, il est comme ça. Donc son tarkiz, c'est-à-dire son niveau d'attention, il est faible par rapport à celui d'un adulte. D'ailleurs, même le niveau d'attention des adultes aujourd'hui, il est faible. Hmm? Je pourrais donner des exemples là tout de suite, là maintenant, mais je vais les garder. Et c'est une réalité. Plus on avance dans le temps, et plus on a du mal à être attentif un certain temps. On a du mal. Vous savez, il y a des écoles, là c'est la rentrée, les mosquées, les écoles musulmanes et tout ça, donc ils proposent des cours, c'est du mashallah. Moi, je suis étonné de voir des écoles qui proposent des cours de 4 heures consécutives, la même matinée, le même après-midi. Là, ça, c'est impossible, ça. Oubliez ça. Les gens qui vont dans un cours qui dure 4 heures, en général, ils ne vont pas attirer le profit. Le tarkiz, il ne va pas être aussi long, aussi poussé. L'attention ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Surtout toi, quand tu es un adulte, tu travailles toute la semaine, des horaires de bureau, tu ranges toi à 18h, tu es fatigué, le samedi matin, tu as envie de dormir, ah, j'ai cours d'arabe, tu arrives là pendant 4 heures, et dis « Marfou, Mansoub, Jam' Moufrad, kada, kada », c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, tu ne seras plus là, tu vas te décrocher. Ça, on a vu ça. On parle avec expérience. Moi, j'ai donné des cours du soir pendant des années. Les cours du soir, c'est encore pire hein, pour ceux qui travaillent la journée. Il arrive le soir à 21h, il... en plein cours. Il arrive, il a fait une journée longue, il a passé 3 heures dans le périph', dans les bouchons. Il s'est disputé avec son collègue, ou bien la commande n'allait pas arriver à l'heure, et son patron lui a crié dessus. Après, il arrive à 21h, il veut faire des cours d'arabe. Tu lui dis, ذهب الرجل إلى المسجد. Mali arabe. Il dit, أنا أريد أن أذهب إلى المسجد معه. On va te répondre une phrase comme ça. Donc, c'est pas possible. Ça, c'est des adultes. على كل حال, pour revenir au la'ib, لو كان اللعب مذموما على الإطلاق, لما سامح يعقوب من لأبنائه هذه الحجة وأنكر عليهم ولا أنكر عليهم. Si le fait de jouer était interdit, était mauvais de façon absolue, sans aucune exception possible, Yaqub alayhi salam ne l'aurait pas accepté comme argument et leur aurait reproché cela. إذن هذه الآية فيها حجة أو فيها رد على من حرم أولاده اللعب على الإطلاق وبالتالي سلب منهم طفولتهم وما أكثر هؤلاء. Dans ce verset, il y a une réplique à l'égard de certaines personnes qui interdisent à leurs enfants de jouer de façon absolue. Et ainsi, n'ayant pas peur des mots, ils leur prennent leur enfance. L'enfant, il joue. وعلى النقيض من ذلك فيها رد على من يطلق صراح اللعب على أولاده فيتركهم يلعبون ليل نهار من غير نهي ولا نكير. Et de l'autre côté, on a l'inverse, c'est ceux qui laissent les enfants jouer de façon absolue, sans aucune restriction ni aucune limite. وخير الأمور أوسطها. خير الأمور أوسطها وكما قيل الوسط عزيز. Et bien entendu, toujours la meilleure
des solutions, c'est celle du juste milieu. Lakin, cependant, atteindre le juste milieu est très, très difficile. Donc moi, je sais, je suis un papa, moi aussi, j'ai des enfants. Et toi, quand tu es un musulman et que tu vois les jouets, les jeux qu'on a aujourd'hui, tu as peur pour tes enfants, tu ne sais pas comment faire, est-ce que je vais les laisser jouer, et à quoi je vais les laisser jouer, pendant combien de temps je vais les laisser jouer. Tu ne veux pas tomber dans un extrême. Et de l'autre côté, il y en a, ils ne les laissent pas jouer du tout. Non, haram, pas de télé à la maison, pas de console, pas de poupée, rien. Avec quoi il joue ton enfant? J'ai pris des bâtons, tu te rappelles les bâtons de glace, les Esquimaux là. J'ai pris quelques bâtons, j'ai mis de la colle, je lui fais un bonhomme comme ça avec l'abbé. Ben vas-y, joue avec ça. Le petit comme ça, il est avec son bâton. Bon, le petit, tu lui donnes une pierre, il joue avec. Quand il ne sait pas que d'autres choses que les pierres existent. Puis un jour, il y a une réunion familiale. Ardo Alek, chez Acha ou là chez Mouhim, t'invites pour un repas. Et là, Oulad Amamo, ils arrivent avec les consoles, dernier cri, avec. Et lui, il sort son bâton d'Eskimo, là. Comment tu veux qu'il grandisse, cet enfant-là? Comment tu veux qu'il grandisse? Il va grandir frustré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, pourquoi j'ai pas la console? Ah, c'est pas possible. T'es obligé. Ça, c'est vrai, il y a le verset, il y a ce que les ulama ils disent. Lakin, toi, il y a ton mujtama. Il y a ta société. Et si nous, aujourd'hui, on est vraiment dans une position très, très difficile, très, très délicate avec nos enfants, comment faire? Que faire? Leur acheter les dernières consoles, tous les jeux qu'ils demandent, et les laisser jouer toute la journée pour qu'ils arrêtent de nous embêter avec la tablette et laisse-moi tranquille. Tu les mets dans Netflix, Disney+, je ne sais pas quoi d'autre encore. Vas-y, tibarra' ma'ala, c'est gawli dit. C'est ce qu'on entend aujourd'hui, malheureusement. Des parents, ils donnent ça à leurs enfants pour se débarrasser, pour être tranquille. Le petit vient et dit Bi ou la oumi, je veux jouer dehors. Tiens, va regarder Mickey et Dora. Vous avez la Dora qui est là, mon frère? Vas-y. Elle est belle comme ça, la Dora. Tu n'as pas compris que c'était un piège pour voir s'il était au courant ou pas. À la coupe, c'est très difficile. Comment faire? Que faire? La CMA وقد ورد أو قد قال ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يتسهل في حق الصغير ما لا يتسهل في حق الكبير. On doit prendre en compte le fait que ce soit un enfant. Et à ce moment-là, on peut faire preuve d'un certain laxisme à l'égard de l'enfant quand on ne l'aura pas envers le grand. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت لها دمية. Aïcha radiallahu anha, elle avait une poupée, une doumia. Ils appelaient ça le banat fil hadith. Le banat. Les filles, c'était des poupées qui étaient visées dans le hadith. Hiyawa, sawahibuha, ou sawahibuhun. Alam, sawahibuha. Ses copines, elles aussi avaient des poupées et jouaient avec. Wa fi hadith in akhar, anna Aïcha radiallahu anha, kanat laha, farasun, lahu janahan. Faqala laha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, aina ra'ayti farasan, dha janahayn. فقالت له عليه رضوان عليها رضوان الله أولم تعلم أن سليمان كان له فرس ذو جناحين فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كالموافق لها يا حديث عائشة رضي الله عنها avait un cheval طبعا un jouet avec deux ailes. Le prophète lui dit où t'as vu toi que un cheval avec des ailes? Elle lui répond tu sais pas toi que Suleiman il avait un cheval avec des ailes? La prophète sourit en guise d'acquiescement. La nuit où Aïcha radiallahu anha a été mariée au prophète alayhi salatu wassalam, كانت لها ou كان لها أرجوحة. Chez l'أرجوحة, la balançoire. Elle jouait sur sa balançoire quand sa mère et d'autres femmes sont venues la chercher pour la préparer pour la nuit de noces. Pour ceux qui disent qu'elle n'avait pas 9 ans quand elle s'est mariée, parce que Zama, ouais, t'as 18 ans, fais la balançoire toi. Subhanallah. Ala kulli hal. Il y a beaucoup d'ahadith qui vont dans ce sens-là. Il y a même des hadiths comme quoi l'Ghilman, Anas radiallahu anhu, il raconte quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il envoya pour une mission, pour une occupation. Anas radiallahu anhu était petit, il passait près d'un groupe d'enfants qui s'amusaient, qui jouaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Il oubliait sa mission, puis il allait jouer avec eux.
فيبطئ على النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج في طلبه. Donc il mettait du temps pour, avant de revenir chez le prophète. Et Rasoul, à force de l'attendre, il sortait à sa rencontre et il le voyait en train de jouer avec les enfants. Il dit, ah, ma soeur, talabi, talabi. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai demandé? Et puis il partait. Donc les enfants, ils sont toujours joués. Donc on ne va pas interdire aux enfants de jouer. Laquelle il faut faire attention à ce qu'on leur donne. Et comment ils jouent. هذا يا أحبابي في حق الصغار. Ça c'est pour les enfants. أما الكبار فلا يليق به أن يلعب. أو يليق بهم أن يلعب. Quant aux grands, c'est pas logique, c'est pas normal qu'ils jouent. ذكر البيري رحمة الله عليه في تائيته بيتا جميلا يقول فيه ويقبح بالفتى فعل التصابي. وأقبح من ذاك شيخ قد تفتى. الألبيري رحمة الله عليه أبو إسحاق الألبيري يجيز أن صاتائية يجيز إلى 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 mauvais pour le jeune d'agir comme un enfant. Le jeune comme un enfant. T'as un enfant, مثلا il a 3 ans, il veut quelque chose, tu dis non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à pleurer, il va se jeter par terre, il va faire un caprice. C'est de son âge. Le même, du moins le même caprice d'un enfant de 10 ans. C'est pas acceptable. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va lui dire? Oh, le bébé, il fait le bébé. Donc, c'est normal chez les gens de ne pas accepter de la part d'un enfant de se comporter comme un bébé. Tu n'accepteras pas ça. Le fata, le jeune, on va dire l'enfant de 10 ans, 12 ans, qui commence à être, comme il l'appelle en France, adolescent, du moins en français adolescent. C'est laid pour un jeune de se comporter comme un petit. Et pire que ça, shaykh, un vieux qui fait l'enfant. Un vieux qui fait l'enfant. C'est pire qu'un enfant qui fait le bébé. C'est pire. Lyon, regardez comment le mot jouer, le verbe jouer, il est rentré dans le langage normal. On dit je joue au foot. Je joue à la console. Et là, t'as wahad, il a l'hiya, fait hachib, il a des cheveux blancs. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai joué. C'est étrange quand même. Tu vois hein, quelqu'un d'un certain âge, il te dit j'ai joué. Hadi, il te dit normal. À quoi t'as joué? À la console. Aujourd'hui, c'est devenu. C'est devenu normal. Ils ont inventé des consoles de jeux pour adultes. Quand j'étais petit, mon père, Hafidahullah, il m'a acheté une console. J'avais 9 ans. Il a touché la manette 2 secondes. Il n'y a plus jamais touché après. C'est bon, ça ne m'intéresse pas, ça. Aujourd'hui, tu as des papas qui jouent plus que leurs enfants. Il y a une console pour l'enfant, une console pour le papa. Ça, avant, c'était pas possible. Mon père, moi, il était électricien. Il avait un appareil qu'il appelait l'horloge, il le branchait à la prise, et il branchait dessus la console. Donc il te le réglait, tu avais une montre dessus, tu le réglais. On est en train de jouer, et d'un coup, paf, tu faisais faim. La télé, tout s'éteint. Tout. À l'époque, il n'y avait pas des cartes mémoire et des sauvegardes, il n'y avait rien. Tu avais joué 3 heures à Zelda, tu étais sur le point de finir le jeu, et ben, recommence tout depuis le début à Sarabi. Ouais, hier, tu me suis adoué de Goulot, bah, et tu fais qu'une ta. Et va même pas essayer d'aller voir ton père en lui disant, ah, papa, la télé s'est éteinte, ou là, je sais pas quoi, c'est toi qui va éteindre. Moi, des fois, je rentrais chez moi, je voulais jouer, les manettes, elles étaient plus là. Eux. Je ne vais même pas demander à mon père où sont les manettes. Ce n'était même pas la peine. Ça fait. Un jour, peut-être, ils vont revenir. On ne sait pas. Là, aujourd'hui, c'est normal. Des fois, combien de fois tu rentres dans la chambre de tes enfants les 3 heures du matin, tu te trouves en train de jouer. Mon seba. C'est une catastrophe. Et l'enfant, il s'ennuie vite. Il faut l'occuper. يقول ابن القيم رحمة الله عليه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ابن القيم رحمة الله عليه disait
l'âme, si tu ne l'occupes pas avec quelque chose de bon, elle t'occupera avec quelque chose de mauvais. Voilà but. Voilà but. Donc qu'on fasse preuve de tawassou avec les enfants, hadala haraj. C'est pas grave. Mais que les grands se font du tawassou à eux-mêmes, là, 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 yardahu l'aql. C'est pas une chose qu'on accepte aqlan. Fadlan an al-shar'a, sans parler de shar'a. Yarta' wa yal'ab. Naam. Lianna min sha'ni al-sighar, al-la'ib, wal-lahu. Parce que les enfants, ils jouent, ils s'amusent. يا كلام ينقل يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول اتركوا صبيانكم يلعبون حتى الثامنة. علي رضي الله عنه لا من parole comme ça, il disait laissez vos enfants jouer jusqu'à 8 ans. خليه يلعب. Laisse-les jouer. Une fois j'étais invité dans une mosquée, à l'époque moi j'étais parti avec quelqu'un, il m'avait accompagné en voiture. Et derrière lui il y avait un bébé dans un siège auto. Donne-lui 2 ans maximum. Il me dit, Akhi, je m'inquiète pour mon enfant. Il ne veut pas apprendre le Coran. Je lui fais réciter. Il ne veut pas répéter. Je lui donne le mushaf, il le pose par terre. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors moi, je lui dis, t'as un autre enfant que celui-là? Il me dit, non, c'est lui que je te parle. Je lui dis, il a quel âge lui? Il me dit, il a 2 ans. Je vois, ça avait mal. Pourquoi tu dis, il a 2 ans, laisse-toi tranquille. C'est normal, tu crois quoi, tu restes. Là, c'est pas, il a 2 ans, laisse-le tranquille. Amdia, tu me conseilles de commencer à quel âge? 8 ans. Oh, réchauffe, hein. Non, c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard, 8 ans? Relax, c'est là où il y a Sinou Tamiz, c'est là où l'âge de discernement. Après, des fois, tu as des enfants, mashallah, ils ont un aql, ils ont un hifd, ils sont plus avancés que d'autres. La haraj. Lui, si vraiment il est précoce, comme on dit, très vas-y, hafidho à 3 ans, 4 ans, comme on voit certaines vidéos, on voit des enfants dans des pays musulmans, il a 3, 4 ans, il connaît le Coran par cœur. Mais ça, c'est haoula et andar min al-kibrit al-ahmar. Mais ceux-là, ils sont encore plus rares que l'or rouge. Il y en a un tous les 1 million, et encore. Faut pas faire de ce cas-là une généralité. Tu crois ton enfant à toi, tu vas le réveiller. Et kadalika haoula, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Parce que je sais que c'est très commun ça. C'est normal, ça vient d'une irada khair, ça vient d'une bonne intention. Tu veux que tes enfants apprennent le Coran. Lakin baynou baynak wa yakh, anta kam tahfaz min al-Quran? Turid an taj'ala ibnaka an taj'ala ibnaka min ahfaz an-nas wa anta min aswa'ihim hifdha, bal la yahmilu qalbuka shay'an min al-Quran? Ya akhi, waj'alna lil-muttaqina imama. Idha aradta an tara at-taqwa fi awladika fakun anta qablahum min al-muttaqin wa kulluhum qudwatan wa uswa. Voilà, combien de gens comme ça, ils veulent, ils sont durs avec leurs enfants. Non, tu vas rester là, tu vas prendre le Coran toute la journée, et tu vas pas sortir jouer avec tes amis, et tu auras pas de console, et tu verras. Et lui-même, il connaît pas le Coran. Donc toi, tu veux quelque chose pour ton fils que tu ne veux pas pour toi? Combien de temps tu donnes le Coran, toi? Combien? Voilà, le père qui apprend le Coran et qui demande à ses enfants de l'apprendre et qui ne l'apprennent pas, eh bien, il est mieux que le père qui demande à ses enfants d'apprendre le Coran et qui n'apprend pas. Sois toi un exemple pour tes enfants si tu veux qu'ils te suivent. Si tu l'as été et qu'ils t'ont pas suivi, au moins, anta ma'adoura même à Rabbil Alamin Azza wa Jal. T'es excusé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, toi, t'es là en train de leur dire apprends, tu l'inscris à l'école, après tu l'inscris à la mosquée, après tu l'inscris, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'activité extrascolaire, il n'y a pas de divertissement pour l'enfant. Après, tu viens d'ailleurs exploser avec l'enfant. Comment on l'a eu, hein? Moi, j'ai connu Wahab, mon sourd, depuis son plus jeune âge, à la mosquée, il a fait le Coran. 16 ans, il a fait Tarawih 1-2 ans, 18 ans, il est devenu DJ. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu DJ. Il a troqué le mushaf contre une platine. T'imagines le changement? Voilà, mes frères, il faut regarder loin avec les enfants. Il faut regarder loin. Et il faut penser à leur maslaha avant de penser à la nôtre. C'est quoi ton taniya, toi, quand tu veux que ton fils il apprenne le Coran? C'est quoi? Esh niyatik. Antakoula l'imna sinna waladi qad hafda al-Quran. C'est quoi ton but, en fait? C'est quoi ton intention quand tu veux que tes enfants apprennent le Coran? C'est quoi? Taftakhi rabihi amam al-nas? Que tu en tires une fierté devant les autres? Que tu dises mes enfants ils ont appris le Coran? Hada yahfad bi warsh, wa hada yahfad bi hafs, wa hada yahfad bi shu'ba, wa hada yahfad bi khalad. C'est quoi ton but, en fait?
Moi, j'ai appris une chose avec le temps. J'ai remarqué que les gens, al-an, asbahu yura'un bi awladihim. Wa hada qabla zaman ma kana yakhthuru 'ala al-bab. J'ai appris une chose aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont même rentrés dans l'ostentation avec leurs enfants. C'est-à-dire, il veut que son enfant, il veut que ses enfants, il soit supérieur à ses camarades de classe, pas pour sa maslaha à lui, pour sa maslaha, pas pour la maslaha de l'enfant, mais pour la sienne. Et il fait de la ria, il fait de l'ostentation avec ses propres enfants. Ah, mes enfants, si, moi, mes enfants, ça, moi, et toi, t'as fait quoi, toi? Ala kulli hal, on va reparler encore de al-la'ib plus tard, inshallah ta'ala. Mais, et je sais qu'aujourd'hui c'est un bala, c'est un min al-mukhaddirat al-ma'nawiya, idman al-la'ib, ça fait partie des drogues abstraites. Et si on devait le classer dans les drogues, ce ne serait pas une drogue douce, c'est une drogue dure. Les jeux, et surtout les jeux vidéo, les distractions. Regarde comment on les appelle, les parcs d'attractions. Non, c'est pas les parcs d'attractions, c'est des parcs de distractions. Tu vas, tu passes la journée là-bas. Maintenant, le parc, il est tellement grand qu'ils te mettent des hôtels pour que tu passes 2-3 jours, pour que tu fasses le tour. Et tu as tes enfants, et tu leur achètes tes ballons avec des Mickey, et tu fais le tour. Papa, amène-moi ici, papa, amène-moi là. Et toi, tu cours derrière. Et tu fais les jeux avec eux. Et tu cries plus fort qu'eux. Parce que t'es vieux maintenant, t'arrives plus à supporter ces trucs-là. Je suis en train de parler de moi. Et voilà. C'est mon seul, voilà. En fait, le but, c'est comment je vais distraire mes enfants. Taïb la haraj, une fois, deux fois, de temps en temps. Mais sans excès. La ifrat, wa la tafrit. Wallahi, on vit dans un zaman, il est gharib jiddan. On a des parents, on a une génération où beaucoup de parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Les enfants ont grandi dehors. Ils ont été éduqués à l'école et ils ont été éduqués dans la rue. Résultat, on a la délinquance qu'on a aujourd'hui dans nos quartiers avec des gens qui font de la moto à 3h du matin et d'autres qui urinent dans l'ascenseur de son propre bâtiment. Puis on a l'autre extrême, les parents surprotecteurs. Même si je ne vois ça, on a les surprotecteurs, ils ne sortent pas. Ils ne parlent avec personne. Il ne va pas à l'école. Et pour l'occuper, parce qu'on ne veut pas le sortir, on ne veut rien laisser faire, eh bien, avec la console, avec la tablette, avec la... Avec la. Parce que c'est dur de s'occuper d'un enfant 24 heures sur 24. Il est où, juste milieu, d'où? Il n'y a pas plus dur que de l'atteindre, ce juste milieu-là. Allahumma tushit ish fil jbel tawahdeku l'hajar. À moins que tu ailles vivre dans la montagne. De toute façon, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, il n'y a que là-bas qu'on pourra rester. Tôt ou tard. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان لا يجد المسلم مكانا يكون فيه آمنا مع أهله إلا في شعف الجبال يتتبع مواقع القطر يفر بدينه من الفتن والحديث في صحيح مسلم قلت لك صلى الله عليه وسلم كل فاي ونو كل فاي ونو il viendra une époque où le seul endroit où le musulman sera en sécurité c'est dans les montagnes. C'est des points qui sont proches des cimes, des sommets des montagnes. Le seul endroit où on sera en sécurité, et encore, ce sera dans les montagnes. Avec nos familles, on suivra la pluie en fuyant les tentations et en préservant notre religion. Dans le hadith de Hudayfa radiallahu anhu, « Inna kunna fi sharrin wa jahiliya, faja Allahu bi hada al-khayr, fahal min ba'di hada al-khayr min sharr ?» قال نعم وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه داخل وهل من بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على باب جهنم الحديث أنو حديث حذيفة رضي الله عنه يجيب خوة صلى الله عليه وسلم avant nous vivions dans une période maléfique avant dans laquelle l'ignorance régnait est-ce et puis Allah il est venu avec ce bien l'islam est-ce qu'après ce bien il y aura un mal quand tu l'as dit oui ah. Et est-ce qu'après ce mal il y aura un bien quand tu l'as dit oui mais il y aura des choses confuses. Et est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui. Après, il a développé le hadith. Il a dit oui. Puis à la fin, Hudayfa dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le prophète s'est dit, du coup, il tazim, jama'at al-muslimin, wa imamahum. Accroche-toi à l'ensemble des musulmans et à leur imam. Et là, Hudayfa, radiyallahu anhu, jazahu allahu anna khayra, il dit, ara'ayta illam yakul lahum, jama'atum ou la imam. Et s'ils n'ont ni ensemble, ni groupe, ni chef,
comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Que faire? Il lui a dit, اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Il lui a dit, éloigne-toi de tous ces groupes. Isole-toi. Je quitte à t'accrocher aux racines d'un arbre avec tes dents jusqu'à ce que la mort t'atteigne et t'es comme ça. Ahbabi, ayam sabr. Ayam sabr. Croyez, c'est. لا تغرنكم كثرتنا ولا تغرنكم ما نراه فإن لم نكون نحن قد أدركنا هذا الزمن فلا أدري من أدركه. C'est aujourd'hui, on vit avec nos yeux. On vit avec nos yeux. Tous les jours, c'est de pire en pire. Mais nous, on s'accroche, on est là. On a un confort, c'est bien. J'ai l'électricité, j'ai l'eau chaude, j'ai ma voiture, j'ai ma routine, mon travail, mon compte en banque, ma carte bleue, mon compte Amazon Prime, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne vais pas laisser tout ça pour aller vivre dans une grotte dans le désert. Là, c'est toi qui vois, regarde. Tu gardes ton confort et tu perds ton dîme. Ou tu perds ton confort et tu gardes ton dîme. Dans ces époques troubles et difficiles, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Dans ces époques difficiles, et ces troubles et ces épreuves, l'homme, il se réveillera le matin croyant, il se couchera le soir mécréant. Pourquoi? Parce qu'il vend sa religion, les aradim et les dunya qalil, pour quelque chose de mondain, insignifiant, pas quelque chose qui a de la valeur. Là. Et donc, il faut faire attention. Toi, quand tu as des enfants, regarde-le avec les yeux de l'oubou, de l'oumou, avec les yeux du père et de la mère. Wa bi shafaqatin wa rifqin wa hamam, avec compassion, douceur et tendresse. Comme Allah a dit, وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا. Et comporte-toi avec lui en tant qu'enfant, c'est pas un adulte. Celui qui se comporte avec l'enfant comme un adulte, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est un enfant. Si Allah Ta'ala ne lui a pas مَكَلَّفَهُ بِعِبَادَتْ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سِنِينَ, c'est pas pour rien. Si Allah Ta'ala ne lui a pas chargé d'adoration avant qu'il ait 10 ans, c'est pas pour rien. Pendant le hajj, une femme, elle a pris un enfant comme ça, elle l'a porté, elle a dit à Rasoul, Ali hada hajj. Faqala na'am, walaki ajr. Est-ce que celui-là a un pèlerinage? Il a répondu oui, et pour toi une récompense. Mais ça, c'est un hajj naf, là, c'est pas un hajj al-farid, c'est pas une obligation. C'est en plus. Comme la prière, quand il a fait de 7 ans à 10 ans, il est récompensé. C'est pas une obligation pour lui. Donc Allah, il lui a laissé jusqu'à 7 ans, jusqu'à 10 ans. Toi, tu nous enlèves ça, son enfance. Là. Et toi, quand tu n'es plus un enfant, ça y est, tu es un adulte, tu ne veux pas comprendre que c'est fini les jeux. C'est fini les amusements. Yarwi, aw yadhkur ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, anna Yahya ibn Zakariya, alayhi salam, alladhi qala Allah azza wa jalla anhu wa atainahu al-hukma, sabiyya, خرج ذات يوم من منزل أبيه إلى المسجد وكان دائما يمر بجماعة الصبيان وهم يلعبون فيرونه يذهب ويرجع بين المنزل والمسجد فقالوا له ذات يوم يا يحيى ألا تأتي تلعب معنا فقال لهم لم يخلقني الله للعب أو لم أخلق لأجل هذا وآتيناه الحكم صبيا. Ibn Kathir rahmatullah alayhi, il rapporte dans le tafsir du verset où Allah Ta'ala parle de Yahya, le fils de Zakaria alayhi salam, où Allah Ta'ala dit وآتيناه الحكم صبيا. On lui a donné الحكم, يعني هنا c'est العلم والوحي كما قال أهل العلم, يعني la science et la révélation alors qu'il était encore un enfant. Et parmi les anecdotes qu'on rapporte à ce sujet-là, c'est que Yahya alayhi salam, alors qu'il est encore un jeune garçon, un enfant, il ne connaissait pas d'autre endroit en sortant de chez lui que la mosquée. En gros, là où il allait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il sortait de chez lui pour aller adorer Allah ta'ala, puis il rentrait chez lui. Lesh l'anna bani Israël kanu ma'mourina bi ada'il ibadati fi tilka al-ma'abid. Duna ghayriha. Parce que chez Banu Israël, ils ne pouvaient pas adorer Allah ta'ala chez eux comme
le font les musulmans. Et il devait se rendre dans des endroits spéciaux pour l'adoration. Donc il sortait de chez lui pour aller là-bas, et en faisant cela, toujours il passait près d'un groupe d'enfants de son âge qui s'amusaient. Et eux, ils le voyaient faire des allers-retours entre chez lui et le Ma'bad, l'endroit où il adorait Allah Azza wa Jal, constamment. Et un jour, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, Yahya, viens jouer avec nous. Et lui leur a répondu, j'ai pas été créé pour ça. J'ai pas été créé pour jouer. Allah a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains, les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Bon, bien sûr, Yahya, c'est un prophète. Allah a dit dans le Coran, لَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيَا. C'est un exemple fort. Et on ne nous a pas demandé la même chose pour nous. Mais c'est pour te donner un exemple. Si un enfant, futur prophète, il a compris qu'il n'a pas été créé pour jouer à l'âge où il a le droit de jouer, qu'est-ce que l'adulte doit dire alors? Al-Balir al-Mukallaf, le pubère, celui qui est chargé, Allah sayas aluka an waqtik. Alladhi aqsama bihi bi anna al-insana la fi khusr. Allah, il va t'interroger sur ton temps. Ce temps sur lequel il a juré que l'être humain il est voué à la perdition. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Combien, billahi alaykum ya ahbabi ya ikhwani. Combien on leur a dit, Allah, shahal hafad min al-Quran hadihi salah. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Combien on leur pose la question, qu'est-ce que tu as appris comme Coran cette année? Il y a là 12 mois, ils sont passés. Avec leur trentaine de jours. 300 et quelques jours. Combien de Coran tu as appris pendant cette année-là? Qu'est-ce qu'ils te répondent? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça. Ça tuktabu shahadatuhum wa yus'alou. Ah! Là, tu viens de témoigner contre toi-même. Ce témoignage que tu viens de faire, on te le ressortira et on t'interrogera dessus. Combien de temps, billah alaykum, combien de temps on perd à rien faire? Combien? Amma, quand on te demande, t'as appris du Coran cette année? T'as appris un hadith. Billah alaykum. Les amateurs de films. Comment d'entre nous n'est capable de sortir les punchlines de certains films? Les anecdotes ou bien des phrases fortes dans certains films. Tous! Qui n'en connaît pas? Qui? Quoi? Qui n'en connaît pas? Et les autres qui écoutent la musique? Combien de chansons ils connaissent par cœur? Combien? Et les amateurs de jeux vidéo là? Ceux qui apprennent les combos là? Ah, je suis un ancien gamer, hein. Quand tu sais enchaîner une série de manipulations pour mettre le plus de dégâts à ton adversaire, il y en a, ils apprennent ça comme une sorate, hein. Haut, bas, droite, gauche, L1, R2, croix, carré, bâton, je sais pas quoi. Il y a un bâton dedans, il n'y a pas de bâton. Croix, carré, triangle, je sais pas quoi là. Ils apprennent par cœur. Moi j'ai vu des gens, ils écrivent ça sur des feuilles. Et c'est comme ça. Croix, carré, haut, bas, droite, gauche. On dirait qu'il a pris une sorate. Et après, il y a la phase d'apprentissage de la manipulation et il y a la phase d'apprentissage de la maîtrise. Combien de fois je vais me faire des ampoules au bout des doigts pour réussir à maîtriser le mouvement? Après, tu viens chez lui, et on fait une partie. Lui, il va te sortir sa flèche. Après, paf, il te la met, tu te dis, oh, comment t'as fait? Non, tranquille, j'ai trouvé ça. Alors que ça fait 3 ans qu'il est en train de s'entraîner, lui. Il y en a une fois, il m'a dit quoi? Je m'ennuyais, je me suis mis la trilogie du Seigneur des Anneaux là. Je lui dis, ça dure combien de temps? Hein? Il me dit 3 heures. Je t'ai passé 9 heures. Bon, t'as compris. Je t'ai passé 9 heures à regarder des lutins et des elfes tuer des trolls. On a Ajaban, Allah. Ouais, Ajaban fait Ada, Allah. Et Ada, il a rien comme ça, il fait chier, ou un autre latinam. Il a 30 ans minimum, il a une barbe avec des cheveux blancs, et puis il vient, il dit. Je me suis tapé la série des. Et là, avec Netflix, c'est comme ça, les séries à la carte, les saisons, Wahad, il peut regarder 3-4 saisons de suite. 3-4 saisons de suite. Moi, si je vous raconte tout ça, c'est parce que je sais que tout le monde fait ça aujourd'hui. Illa man rahima rabbuka wa qalibun ma'hum. Sauf quelques rescapés. Et ils sont très peu. Ils nous ont eu. Ils nous ont mis Netflix dans les téléphones, dans nos tablettes, dans nos télés. Dans nos box là. Ils font des promotions.
des offres. J'ai même vu quelqu'un, il avait un sac. Zama, c'est une nouvelle mode. Ils partagent leur mot de passe de leur compte Netflix. Ça, j'ai vu comme ça, j'ai vu, il y avait des lettres, des chiffres comme ça. Ça m'a intrigué, j'ai regardé comme ça et j'ai vu, voici mon code Netflix. Cadeau de Sadaqa, allez, Sadaqa. Sadaqa. Parce que lui, il paye. Zama, allez, je te donne. C'est. D'y avoir. Monsieba, voilà. Monsieba. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jal? Quand tu vas arriver devant ta balance et que tu vas voir le nombre d'heures que tu as passé à t'amuser et à jouer à côté des heures que tu as passé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas voir que tu as passé beaucoup plus de temps à t'amuser et à jouer qu'à l'adorer. Et là, tu vas te rendre compte qu'il te manque des hasanats pour aller au paradis. Et là, tu vas dire comme Allah l'a dit dans le Coran, « Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt » C'est-à-dire, ya Allah, fais-moi revenir. Peut-être que j'arrive, afin que je fasse des actions vertueuses dans ce que j'ai laissé derrière moi. Allah dira, la, kalla. Non. Innaha kalimatun huwa qailuha. C'est fini, ça y est, c'est une parole, elle est dite, Allah, il ne revient pas dessus. Ma yubadalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil-abid. Il ne revient pas dessus, c'est fini. Et là, je vais avoir ta fierté d'avoir fini tel jeu qui a duré je ne sais pas combien d'heures, ou bien d'avoir battu tout le monde jusqu'à être devenu le meilleur. Qu'est-ce que tu vas en faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'écrire comme ceux qui disent Ya laytaha kanat il qadiya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. C'est ça que tu vas crier? Ma ya laytaha kanat il qadiya. Si seulement cette vie-là était la seule, pas de vie après, c'est trop tard. Ça y est, c'est fini. Khuliqta li ta'amuraha. Tu as été créé pour traverser ce monde-là, pas pour le remplir. Si tu veux remplir un monde, remplis celui qui s'arrêtera jamais. C'est celui-là qu'il faut remplir, c'est pas celui-là qui voit disparaître. فَمَنْ يَشْتَرِ الْفِرْدَوْسَ يَعْمُرُهَا بِرَكَعَةٍ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ يُحْيِيهَا. Tu veux acheter le Firdaus? Eh bien remplis-le, pas avec de l'argent. Avec des prières la nuit, quand les gens y dorment. Walakinna fi ghafla. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, iqtaraba linnasi hisabuhum, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, la hiyatan qulubuhum. Le jugement des gens se rapproche, alors qu'ils se détournent dans l'insouciance. La hiyatan qulubuhum. Leurs cœurs sont distraits. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Et parmi les gens, il y en a qui achètent les paroles distrayantes, لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, pour égarer du droit chemin. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Ceux qui ont mécru dépensent leur argent pour égarer les gens du droit chemin. Eux, ils sont là, ils ont des bureaux, des ingénieurs qui travaillent jour et nuit pour sortir le jeu qui va bloquer ton enfant devant la télé ou qui va te bloquer toi. Des heures et des heures avec cette manette. Et tu les payes. Tu les payes. Oui, vas-y, tiens, fais-moi un autre jeu pour que je perde encore plus de temps. Vous trouvez pas que les distractions sont trop nombreuses? Et plus on nous en propose, et plus on les achète. Wallahi, nahnu nusharikuhum fil ithm. Wallahi, on s'associe à eux dans le péché. Yulfiquna amwalahum liyasuddu fi an sabilillah wa anta tashtari ma yabi'unahu lak li ajli saddika an sabilillah. Eux, ils dépensent leur argent, ils travaillent, ils proposent, ils payent des ingénieurs, des gens qui savent créer des jeux pour t'empêcher de passer ton temps pour ce qu'Allah t'a, pour la raison pour laquelle Allah t'a créé. Toi, tu les payes. T'achètes. Ya subhanallah. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quand il va dire, t'as dépensé ton argent pour moi? Ya'ani. J'ai fait une sadaqa une fois, hein, pour, au feu rouge. Ah. Et après, il va dire, tu vois cet argent-là? C'est tout ce que t'as dépensé pour ta distraction personnelle. Pour ton amusement personnel. Pour tes jouets, pour tes jeux.
Il n'y a même pas la moitié du tiers, du quart de ce que tu as dépensé pour moi, fils sabilillah. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand on dit aux gens dans la mosquée, allez, on va faire des travaux, ça demande de l'argent, donnez fils sabilillah. Ah, il y a des gens qui donnent mashallah, tabarakallah. Mais si on regarde le nombre de personnes qui sont à la mosquée et qu'on compare à l'argent qui a été récolté, c'est même pas 10%. Vous savez qu'ils font des cagnottes. Vous avez sûrement vu ça sur internet. Il y a des youtubeurs qui font des cagnottes pour des marques qui font des jeux vidéo. Donc il est là en train de jouer au jeu et sur le côté il y a un écran, les dons qui sont donnés en direct. Regardez combien de milliers d'euros ils ramassent en quelques heures. Regardez. Pour des jeux vidéo. C'est-à-dire que hirs nas ala da'mi hadhihi ash-sharikat allati tunshi'u tilka al-al'ab أشد من حرص كثير من المسلمين على أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله. Ça veut dire que l'efforcement de beaucoup de gens pour financer le Mawil, pour financer, pour assister avec son argent ces sociétés qui passent leur temps à créer des jeux vidéo, il est plus fort. Cet efforcement, il est plus fort que celui de beaucoup de musulmans à dépenser leur argent fi sabilillah dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mada taqulu li rabbik? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas lui dire? On voit des gens même maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des consoles, zama, des vintage, des vieilles consoles là. C'est devenu à la mode. Ils ont inventé des consoles, je sais pas quoi, avec une technologie, je sais pas comment. Maintenant, non, mais ça vous suffit pas. On va vous vendre les anciennes consoles. Et les gens, ils achètent. Là, t'as pas été créé pour ça. Ça, c'est Youssef, c'est un petit garçon. C'est pour ça qu'Yaqoub, il a accepté. Et c'est du jeu qui va lui être profitable. Il va courir. Il va sauter. Il va se dépenser. Il va travailler son corps. Il va être actif, il va être en forme. Du bon sport. La course, la nage, la natation, le tir à l'arc, l'équitation, le sport en général, quelque chose dans lequel on se dépense. Ça, c'est ça les jeux qu'on doit donner à nos enfants. Mais attention, c'est pas tu veux en faire un footballeur parce qu'il va gagner 2 millions par semaine. Là. Ça aussi, c'est la nouvelle mode aussi. Quand tu vois la rentrée scolaire, tu vois les parents, beaucoup de musulmans qui inscrivent plus leurs enfants au foot qu'ils les inscrivent à l'école arabe, à la mosquée pour apprendre le Coran et les bases de la langue arabe. Ben, je vous le dis, comme ça mon fils il sera meilleur que l'autre. Enfin il dit ça, mais en vrai son fils, tout ce qui compte, ce en quoi il espère, c'est que son fils il soit repéré par une grande équipe et qu'après on l'achète et puis après c'est parti pour les millions. أحباب هكذا غرتنا هذه الدنيا مع أن الله تبارك وتعالى حذرنا منها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. C'est comme ça que ce bas monde nous a trompé, il nous a eu, ça y est. Alors qu'Allah nous a mis en garde contre lui. Il dit فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Ne soyez pas trompés par ce bas monde. ولا يغرنكم بالله الغرور. Et ne soyez pas trompés par le al-gharour, yani al-shaytan. Al-shaytan. Yarta'a wa yalha'a. Wa inna lahu lahafidhun. Nahfaduhu mimma takhafu alayhi. Ils ont dit, nous, on va le protéger. Ne t'inquiète pas. On sait que tu as peur pour lui, que tu t'inquiètes pour lui. On va s'occuper de lui. Matrafsh. N'aie pas peur. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit après. قال إني لا يحزنني وفي قراءة لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فذكر حزنا وخوفا. وهذا الحزن وهذا الخوف كلاهما طبيعيان. لا حرج فيهما. Et puis après, le Yaqub, il s'explique. Il leur dit, écoutez, si je n'en parle avec vous, c'est pas parce que je ne fais pas confiance. C'est parce que je m'inquiète, je suis triste quand il n'est pas avec moi.
لا يحزنني أن تذهبوا به يعني أن يفارقني فيكون عني بعيدا. J'ai peur qu'il soit séparé de moi, qu'il soit loin de moi. Ça va m'attrister. وهو يحاول أن يصيب قلوبهم لأن الابن البار يجتنب ما يحزن أباه. Et là, lui, quand il dit ça, il essaie de toucher leur cœur. Parce que le fils pieux, le fils bon envers ses parents, quand il sait qu'une chose va les attrister, il s'en éloigne. La yahzununi an tadhhabuni. Ça va triste que vous partiez avec. Si je ne vous laisse pas le prendre, ce n'est pas parce que je ne vous fais pas confiance. Mais c'est parce que je vais être triste s'il est loin de moi. Wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b. Et j'ai peur que le loup le mange. Adh-dhi'b. Wa adh-dhi'b fi ba'd al-qira'at. Le loup. Bon, le loup, on va en parler la prochaine, inshallah. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Al-Shahid, de toute façon, c'est l'heure maintenant. C'est, ça nous rappelle la mère de Moussa alayhi assalam wa radiyallahu anha. La mère de Moussa, quand elle a accouché de Moussa, Allah lui dit « Wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. La takhafi wa la tahzani. » Nous révélâmes à la mère de Moussa « Allaite-le. Lorsque tu auras peur pour lui, laisse-le, jette-le fil yammi, yani fil nil, dans le nil. » وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. N'aie pas peur, ne sois pas triste. إِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Puis plus tard, nous allons te le rendre et en faire un messager. Un peu plus tard, dans la même page, Allah Ta'ala dit وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Plus tard, ça y est, elle s'est exécutée, elle a laissé le petit partir dans une boîte dans le Nil. Il a été récupéré par Fir'aoun. Elle, bien sûr, elle doit garder le silence et le secret. Ah, attends, comment Allah va lui rendre l'enfant comme il lui a promis. Mais c'est une mère. Son cœur il se vide. Son fils il n'est plus là. Il n'y a plus rien dans sa vie. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ فَارِغًا فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. Encore un peu elle allait le dévoiler, le démasquer en allant le chercher, le demander. لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et à la fin, Allah Ta'ala le rend à la mère de Moussa. فَرَدَدَنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْلَا تَحْزَنَ. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِهِ وَهُمْ يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدَنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. On l'a rendu à sa mère, comme Allah lui a promis au départ. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, pour qu'elle soit heureuse, ضِدُّ الْحُزْنِ, l'inverse de la tristesse, وَلَا تَحْزَنَ, et qu'elle ne soit pas triste. Donc c'est tabiri, c'est normal que le père ou la mère soit triste quand son enfant est loin de lui et ait peur pour lui. وَلِلْحَدِيثِ بَقِيَّ نُؤَجِّلُهُمْ إِلَى الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.